Et là, un pile coup de balle chanté dans commune Cité Soleil entre différents groupes armés en dans en commune Cité Soleil. Et pendant échange coup de balle ça y a, t'as beaucoup de coup de balle ça y a, y a plusieurs monde qui sorti et blessé. Côté n'a dit hier, gagnons en tension tête chargée qui régnait, qui blasille dans commune Cité Soleil, c'est gang armé dans différents quartiers en dedans commune qui eux même t'as affronté, t'as troqué connu ensemble. Et situation ça, causé un pile monde victime, gain si là, qui recevoir plusieurs balles, qui s'il y a l'autre même, qui a, bon, ça avait tapé la vie eux-mêmes, c'est une information que nous-mêmes n'a bousqué toujours. Mais parmi quand il y a monde qui est victime, nous apprenons que t'as gagné pour plus petit 5 monde qui t'a sorti blessé, et parmi eux, un agent sécurité, information fait quoi que, agent sécurité, ça qui blessé gravement, qui blessé vraiment grave, et qui t'a prend soin qu'à le mériter dans l'hôpital, dans une métropolitaine, Port-au-Prince, non, on dit bien. Mais pour qu'on y a, est-ce que tout bagarre fort, pour lui, c'est ça, non, capable, lui, comme information, capable, comme information, situation, tension, qui t'est réelle, à hier, dans la commune Cité Soleil. Non, dit tout, pendant, il y a une situation, ça t'a développé hier, dans la commune Cité Soleil, nous apprendre que, Jimmy Echerizier, dit, et barbecue, donc, on est les mêmes qui c'est porte-parole à Genève en famille avec allié, qui a pour slogan, maïen, tout, mais il y a là, qui, information fait quoi, elle t'a le poté renfort, avec, équipe, li, dans Cité Soleil, qui t'a bataille, dans Cité Soleil, avec, l'autre groupe, bien, information fait quoi que Jimmy Echerizier t'a recevoir balle, et gagné un proche, li, bien, allié, qui t'a tombé, c'est information ça, mais, après tout, état santé monsieur papa Jean Mounio t'a fait cruel là et bon il pas fin trop pas bon que ça mais nous même nous là n'a pas cherché toute information net pour boter baou pendant jeudi sur antenne radio méga mais c'est ça information que mais Jimmy et Chérigé dit barbecue pour parole G9 en famille avec allié maillon main tout il est là qui est sorti blessé non pour te renfort avec allié li équipe li qui il même dans Cité Soleil cap tout qu'on avec l'autre groupe armé en dans cité là n'a prêté toujours nan causé insécurité zak ka produit en da pays a hier là vraiment zone Badelma Cité Soleil yo connaît la situation tension après nek amek tap touke konyo mais la police qui li même continue à compter cadavre les policiers qui continue à grandir la chaque jour qui passait et ben policiers qui a tombé en babal bandi nous apprend hier là gagnant policier ça agent 4 ça qui c'est Abel Rochas qui les même tombé en babal bandi pas arrivé identifié hier après-midi, mercredi 12 mai 2021, zone Delma 3, qui pas trop loin, on côté que les marchés Clorox, d'après une source qui est capable de faire confiance. Eh bien, nouveau cas, ça, l'ivin augmenté et rend la police en pied, ou même à compter cadavre. Je ne dis, c'est Abel Rochas, agent 4, qui tombé en babal bandit, ou pas arrivé d'identifier, ailleurs après-midi, dans zone Delma 3. Selon le premier élément d'information, victime, non, les mêmes t'as recevoir plusieurs balles dans l'estomac, li. C'est ça, une source policière qui est capable de faire confiance. Informe victime, non, qui, il t'a semblé, t'es se fait en transaction, la banque, y'a une banque qui n'a niveau zone Delma 3, zone en bas, et c'est là, en sortie, pendant sortie dans la banque là, et mes bandits attaquent lui, et puis y'a été un souffle policier, ça, Abel Rochas, qui sont agents 3, hier après-midi, mercredi qui était 12 mai 2021. Nous parlons avec reportage sa collaborateur nous Jean-Philippe Masséan fait nous connaît sur toutes les réseaux sociaux nous t'a parlé ça hier Blaise Peterson ensemble avec citoyen sa Peggy Siméon tout le monde t'a sur toutes les réseaux sociaux malheureusement qui victime en bas mais la police qui t'a supposé protéger et puis servi autorité policière ont déjà identifié tout policier qui impliqué dans Zach Maspina et sous Peggy Siméon. Quatre là d'ailleurs déjà placé en isolement d'après directeur départemental Nord-Est là Fritz Saint-Fort qui retourné sous incident ça qui sale image institution policière là reportage Jean-Philippe Massier image je t'ai couru sur toutes réseaux sociaux jeudi mardi 11 mai la police cap malmené un citoyen pral nan deux pieds sous tête yon bus voyez l'en bas yon l'autre policier recevra la quelques coups de bâton baseball ça t'a pral pi grave toujours les tout pour n'a pas prendre citoyen ça t'a rend dernier souffle l'hôpital Wanamet là ça qui soulevé colère en pile monde sur internet là la police nan pi haut niveau déjà saisi des dossiers ça directeur départemental Nord-Est là Fritz Saint-Fort a tenté porter certaines explications sur incident ça environ 14 bus samedi dernier qui t'a quitté Wanamet pour aller chez Raphaël. Et malheureusement, il y a un autre citoyen qui n'a pas fait partie de
équipe Mounsao qui t'a organisé l'activité, qui t'a monté sous deux lignes dans le bus. Et ça t'a paniqué, Pélérin, qui t'a compte qui moun moun naye, ou qu'on est dans la situation de sécurité que nous nous disons là, et nous avons fait appel à la police. Pour la police, qui est capable de maîtriser Mounsao, parce que toute tentative de faire, même pas de patrouiller, maîtriser les pour faire quitter deux bus là. Et c'est ainsi que la police, à Wanamet, le commissaire Wanamet est touché de l'information et allé à petit secours à Mouniotte dans le bus, etc. Et les policiers ont été arrivés, c'était là-dedans, qui oubliaient le principe institution, passé derrière tout ça, ont été appris à l'académie pour maltraiter Peggy Siméon. Ils sont arrivés aux citoyens, effectivement, mais des rois qui ont tourné sur les réseaux, ont montré que le comportement inapproprié de certains policiers qui partent maîtriser sans foi, qui partent maîtriser l'émotion et qui vivent un spectacle. Ça. C'était Debakop, commissariat Wanamet, qui était impliqué dans l'incident. La majorité là-dedans, c'est Idmo. Quatre dans messieurs ça, déjà placés en isolement, après une suite enquête là. D'abord des mesures internes, des mesures administratives, côté que éléments ça, ils ont privé de badge d'identification policière et ils ont privé autour de. Les armes du service, et il y a quatre là-dedans que l'inspection générale au niveau du Grand Nord placée en isolement. Et on a continué le travail de conseil avec l'inspection générale pour dire qu'il y a l'autre policier qui a fait objet d'audition et qui est capable de conclure à fixer responsabilité chaque élément dans la situation qui peut. Fritz Saint-Fort reconnaît l'image de l'aide pour l'institution qui déjà fait face à une pile difficulté. Cependant, directeur départemental la regrette incident ça arrivé dans un moment policier dans département a suivi formation sur droits humains acte technique intervention dans cadre programme formation continue responsable yo mettez sous pied ça qui arrivé là il y a une étape certes mais faut nous rassurer tout le monde que la police nationale au plus haut niveau pas jamais suspend rappeler à policiers yo à travers des séances de sensibilisation et de formation continue auto obligation que vous gagnez pour appliquer et les règles déontologiques de la police. C'est pas premier acte regrettable policier ou commettre dans dernier temps ça yo. Si tous les a intervenu dans mouvement protestation yo, yon série incident k'ap sa l'image la police la pi plis toujours. Yon institution k'ap fait face à toute qualité difficulté tant que policier k'ap abandonné pour mauvais conditions de travail, sans compter l'autre. Yo dit klage koyo dans zak banditisme, vol, kidnapping et la trier. Yon situation qui poussait en pile l'observateur à demander est-ce que l'institution ça pas mérité reboisser? Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. 5h45. Merci à Pile Masséan, pas menti vraiment. Pile problème dans la police, non? Et un pile problème, récemment, il y a un SKL, Sotkar Lévesque, qui lui-même t'a présenté un rapport sur n'importe presque deux l'année, il fait, il a enquêté sur le fonctionnement de l'institution de la police, non? Il y a un pile donné qui a été présenté, monsieur, certains de présenter un reportage avec ça. Mais plus le monde, je dis, a vraiment cru que faut que vous êtes capable de garder dans quel niveau pour permettre que la police, non, et que la population capable de reprendre confiance dans la police, non, parce que je dis à là, un pile monde perdit confiance dans la police. Ça longtemps, là, on était en policier, où t'es vraiment content sans tourner en peau, parce que comme policier, on a assuré en sécurité, qu'on y a. Mais je dis à là, un pile monde dit, là, on policier, bon, on est en uniforme, permet que me dit ça, on est en uniforme. Et je dis à sincèrement li en vie courir gamon jodi a ki pis quand yo pi a l'aise là on est qui gen zam illégal nan men ke on police bon là encore c'est des situations que faut recommandement PNH ta capable garder ki niveau pour permettre que population li même reprend confiance nan institution la police que nous gen là. Effectivement directeur général de police nationale d'Haïti a Léon Charles confirmé que 4 policiers qui en isolement gen 3 qui en mesi conservatoire 3 policiers qui te commettre action ça. Léon Charles fait qu'on est la police judiciaire déjà tant des membres famille victime nan dossier qu'elle transférer dans paquet Nandes. En côté des directeurs généraux à IPNH, non, Léon Charles, pour plus de détails. Après un appel qui était lancé par des pèlerins qui tabraient Saint-Raphaël à bord de plusieurs bus, il y a un jeune garçon qui montait dans un bus. Il y a une patrouille composée de plusieurs policiers de l'UDMO et des policiers administratifs. Des faits ont intervention pour des faits que individu ça descend de bus là. Malheureusement, un incident regrettable est venu passer. Et c'est incident ça que nous tous avons gardé sur les réseaux sociaux. Pour qu'on y ait,
police judiciaire dans nord déjà tendez membres famille victimes nan. Et division inspection générale du Grand Nord gétan prend charge dossier et jusqu'à minute ça quatre policiers placés en isolement des mesures conservatoires qui prend contre trois autres selon procédure qui établie dans cas de flagrance ça dossier un pour transférer dans le commissaire gouvernement zone pour les suites judiciaires. Sur le plan administratif, l'autre sanction a pris contre les policiers. La direction générale a déploré de tels comportements. Et comportements qui sont indignes, pas fait honneur à l'institution, dont le respect de l'homme constitue un principe fondamental qui doit guider les policiers dans le travail qu'ils font. La direction générale l'a présenté ses patils à la famille M. Siméon Pegui, qui mourit après qu'il est arrivé à l'hôpital. PNH là a défendu tout policier qui est victime d'un exercice fonctionnel. Mais tout l'a sanctionné tout policier qui fait genre de acte qui n'est pas correct.